David, c'est quoi cet instrument? C'est une cigar box guitare. Donc c'est né aux États-Unis en 1840, à peu près. C'est arrivé en même temps que l'arrivée des boîtes à cigares. Et en fait, on prenait un manche à balai, une boîte à cigares, une corde, et on pouvait chanter le blues. Donc c'est plutôt dans le delta du Mississippi. Donc les ruraux pauvres, mais les esclaves se fabriquaient des instruments comme ça. Qu'on appelle un bottleneck, une slide. Donc à l'origine, c'était un goulot de bouteille coupé. Maintenant, on en trouve en verre, en fer, en cuivre, enfin en différentes matières dans le commerce, mais à l'origine c'était un goulot de bouteille comme ça. Ça permet de glisser. Voilà, de glisser. Donc c'est un instrument qui peut jouer qu'avec un bottleneck. David Lebert, guitariste, jouait dans un groupe de blues rock. Il s'est pris d'amour pour la cigar box au point d'en faire son métier. Pour Roots Guitar, son entreprise, il les fabrique dans son atelier de Nieul-sur-Mer. J'en ai fait une pour mon plaisir, pour voir ce que ça donnait quoi, comme son. Et puis ça m'a plu, j'en ai fait une pour un ami, puis pour un autre ami, puis pour l'ami d'un ami. Et voilà, au bout d'une dizaine ou vingtaine, j'ai commencé à me dire que c'était... Bah, j'avais envie d'en fabriquer de plus en plus, mais que j'allais pas tout garder ou tout donner. Donc je me suis lancé. Faut trouver le temps de bien équilibrer toutes les techniques et la hauteur des cordes, tout ça. Enfin, il y a quand même une partie lutherie. Alors c'est de la petite lutherie, mais il y a quand même... Il faut que ça sonne, il faut que ça sonne juste. Ça se fait pas comme ça non plus, il y a un petit peu de travail, quoi. David utilise aussi un maximum de matériaux de récupération. Les boîtes à cigares sont récupérées chez les buralistes, le bois provient d'une recyclerie. Cela lui permet de vendre ses objets à des prix raisonnables. Les une corde, je l'ai fait à 55 euros. Après, on a 110, 120 et dans les plus chers, je fais à 170. Le delta du Mississippi est à plusieurs milliers de kilomètres de l'autre côté de l'océan. Mais à Nieul, dans les marais, le blues résonne. Toute la musique qu'on aime.